Pendant ce temps, des maçons travaillent sur les hauteurs de Sainte-Cécile. Ils installent une sculpture qu'ils ont reproduite à l'identique. La pièce ouvragée soutient une gargouille sur l'une des tours. Il faut d'abord caler ce visage en pierre de près de 200 kilos. Ça frotte l'armure. Ah oui, c'est bon. Bon, ben c'est bon. Allez, posez. Bon, on est vraiment bien au niveau aspect de taille et tout, là. Ouais. C'est nickel, hein. Quentin Muller dirige le chantier. Pour harmoniser un peu humide et c'est ouais. Bon. Mais je pense que on va la laisser comme ça. Elle est pas trop mal. Nickel. Bon ben on va l'afficher puis on va la couliner. C'est quelque chose qui avait été bâti avec des pierres de grès qui avaient très mal vieilli. Et donc le choix a été fait de les restituer mais en calcaire cette fois-ci pour pas se retrouver à les changer tous les 100 ans. C'était pas très responsable. Donc on a restitué ces volumes-là, mais cette fois-ci dans du calcaire. À 60 mètres de hauteur, les détails de ces sculptures sont invisibles depuis le sol. Pourtant, les artisans d'aujourd'hui ont choisi de les vieillir artificiellement. Ce qui est difficile à rendre, c'est le temps qui passe. Là, il a juste un peu soufflé dessus, il a fait un petit gommage. Mais il y a toujours les coups d'outils, parce que nous, on est capable de voir ça. Il y a les coups d'outils sur sa pierre. Et il est venu faire un tout petit gommage. C'est le temps qui est passé et on s'intègre et on est vraiment raccord avec ce qui est au-dessus, quoi, avec l'ancienne. Le principe de base de notre métier, c'est qu'on peut changer des mètres cubes et des mètres cubes, des dizaines de mètres cubes de pierre sur un bâtiment. Quand on s'en va, personne ne doit pouvoir dire quelles pierres ont été changées. Et ça, il n'y a que la main de l'homme qui peut le faire. On ne pourra jamais le remplacer par une machine. On pourra essayer de tailler des pierres avec une machine ou un robot. Ce n'est jamais ces pierres-là qui seront discrètes. Celles qui seront discrètes, c'est celles qu'on aura taillées, qu'on aura vieillies nous-mêmes et posées dans le respect des voisines. L'équipe a déjà remplacé des milliers de tuiles au-dessus de la nef. Elle termine de nettoyer le chemin de ronde qui date du 19e siècle. On est arrivé, c'était noir de lichen, noir de mousse. Oui, on a changé de briques là, Julien. On a changé 1500. Voilà, 1500 briques. Tous les joints ont été refaits à la chaux, les pierres ont été nettoyées. Ouais. Et aujourd'hui, on regarde ça, on a l'impression qu'on regarde le bâtiment tel qu'il a été bâti, quoi. Donc c'est canon. Le clocher, entouré de quatre tours défensives, culmine à 80 mètres du sol. Attention à la tête. Là, c'est magique, la vision qu'on a d'ici. On a vraiment l'impression d'être en haut d'un vaisseau qui... On a l'impression qu'on va bouger. On se sent presque bouger, fendre la ville comme si on était sur l'océan, quoi. C'est vrai que pour nous, c'est un sacré privilège de bénéficier de cette hauteur de vue. Non, je suis déjà monté en haut d'autres cathédrales, non, mais là, ça ne m'a pas fait le même effet. En plus, en étant d'ici, c'est encore un peu plus chaleureux pour moi. Mais on a toujours une émotion qui, elle, je pense, est assez comparable à ce que ressentaient les gens à l'époque de la construction. Il faut imaginer, c'était une hauteur inconnue à l'époque. Nous, on a vu des buildings de 8-10 étages. À l'époque, c'était quelques étages de haut, donc ça devait être considérable l'émotion que les gens avaient depuis le bas déjà, d'être dominés par des masses pareilles. Et puis alors, pouvoir voir depuis ici, depuis le ciel. Et on retrouve quand même cette émotion là. Quand on vient, on monte à pied et on arrive là, on est soufflé. Hein. On est soufflé.